Vous êtes en train de suivre Toupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Renaissance contre Tornado et puis Renaissance qui a marché sur Tornado. Voilà, Renaissance qui a marché sur Tornado sur le score de 2-0. Et figurez-vous que c'est un des joueurs de Tornado qui a intégré Renaissance qui a marqué les deux buts. Milimo était à l'œuvre contre son ancien club. Et là également, il est deuxième sur le rang de buteur avec 10 réalisations, à quelques buts, dont 13 du premier, le buteur de Arc-en-Ciel, Boni, 13 réalisations. Et là, il est plutôt déterminé à non seulement figurer meilleur joueur de l'EPFC, mais également meilleur buteur de cette compétition. Et à ce sujet, on va avoir les réactions juste après match, des deux parties, après ce score de 2-0, pour dire que Renaissance se porte à merveille quand même. Si un match, on a eu un match dans le premier, il y a eu un match, mais le deuxième, il y a eu Renaissance, a eu une chance de remarquer Babi, c'est normal. Il y a un moment quand même, va mériter victoire en avant. Mes jeunes gens se sont très bien exprimés. Nous avons eu beaucoup d'occasions par rapport à Renaissance. Mais Renaissance avait recruté des joueurs déjà aguerris avec beaucoup d'expérience. Ce qui fait que nous n'avons pas pu... nous ne sommes pas encore arrivés à la hauteur. Mais du moins, nous avons sur le terrain, nous avons dominé à 100% le match. Les anciennes équipes, nous sommes obligés de déterminer le match. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Je suis satisfait parce qu'on continue dans notre série. Je sais que tous nos matchs ne seront pas faciles. Mais l'essentiel est de gagner. Et moi, je pense qu'il y a toujours des problèmes tactiques qu'on essaie d'arranger là, ici et là. Et quand ça donne des résultats, on ne peut qu'être content. Ce n'est pas par hasard. Voilà, merci Arlette Boutella pour l'actualité sportive de ce lundi. Merci à vous, Patrick Kéré. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas, à la revue de presse, c'est dans un instant.